Et nous allons découvrir maintenant un gymnaste que vous ne verrez sans doute pas au championnat du monde, mais qui, grâce à ses jeux iraniens, peut s'exprimer. Et en finale, c'est Redouane Arabiou, c'est-à-dire le représentant de l'Algérie. Dans le parallèle, Redouane Arabiou, Algérie. C'est vrai que pour ces nations, Maroc, Algérie, Tunisie et bien d'autres pays, se confronter à la France, l'Italie et l'Espagne, par exemple en gymnastique, c'est une chance rare. C'est comme quand la France, l'Espagne et l'Italie se confrontent aux Russes, aux Bulgares et aux Roumains au niveau mondial. Ce sont les mêmes proportions. Belle entrée parallèle. Keki mène ce concours avec 9,25 devant Kotterman, 9,20. Petit déséquilibre avant la sortie, mais ce garçon qui représente la gymnastique algérienne qui jadis nous a permis d'avoir un excellent champion de France qui s'appelait Mohamed Lazari et qui est maintenant président de l'Union africaine de gymnastique et de la Fédération algérienne. Eh bien, Lazari et son frère ont fait école puisque aujourd'hui, vous le voyez, ce jeune...